sous les étoiles. Nous c'est Draenora. Il a perdu des amis, tant de tragiques batailles. Son cœur de pirate ne connaît pas la défaite. Ouais. Les amis, bonjour et bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo sur Bloxfruit. Aujourd'hui, les amis, on va découvrir ensemble une nouvelle arme que j'ai drop dans la dernière vidéo où on maxait tout simplement la CDK. Et je sais plus comment je me suis retrouvé à affronter le boss Katakuri. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les amis, on va tester le trident épineux. J'ai défoncé, j'ai eu ça en cadeau. Voilà, donc je suis très content. On va pouvoir se tester ça tous ensemble. Et déjà, est-ce qu'elle a une petite apparence? Non, elle a pas d'apparence quelconque. Avec le acquis de l'armement, c'est bien dommage. On est triste. Mais avant toute chose, les amis, bien sûr, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en balle. On rush les 200 000 abonnés. Et oui, je sais que vous pouvez le faire. Et puis il y a intérêt, de toute façon. Voilà. Moi, je mets des coups de pression comme ça un petit peu. Voilà. Que là, on voit pas à cause de l'écharpe, hein, mais je souris pas du tout. Je suis super énervé. Voilà. Allez, abonnez-vous. Est-ce que je force? Peut-être. Bon, alors déjà, est-ce qu'on se testerait pas ça contre un joueur? On se met en acquis, bien évidemment. Bonjour, hop là, 2780 dégâts déjà contre un NPC. Est-ce qu'on peut taper ce mec? Oui, on peut le taper. On n'a pas encore de... Voilà, on l'a tapé, mais c'est bien déjà. On prend des maîtrises. C'est pas mal du tout. Il tape quand même déjà très très fort, hein. En vrai de vrai, je pensais pas qu'il allait taper autant. On est quand même sur du 2780, les gars. À la maîtrise 0, là, donc déjà, là, rien que là, il tape du 2800. Ce qui était le start de la CDK, les gars. Après, je sais pas si les attaques seront aussi bien que celle de la CDK, je pense pas même, mais bon. On peut quand même le tester et allons voir s'il y a pas des petits boss un petit peu par là. Ah là là, il y a des boss. Est-ce qu'il y aurait pas le petit smoker qui nous attendrait bien sagement pour qu'on lui mette une grosse dérouillée, mon pote? Mais si, il est là, dis donc. Alors on va le commencer comme ça avec des petites attaques bien sympatoches, histoire de lui faire comprendre qui bosse ici et qui c'est qui le patron. Hop là, voilà, allez, des petits coups de trident dans les fesses de Smoker directement, ça nous met bien. Et maîtrise 100 combien? 116. Il faut qu'on aille à la maîtrise 150 pour tout simplement gagner l'ouragan de Donut. Ensuite, on aura le tiré trident volant. Je sais pas trop ce que c'est. Tiré trident volant, qui est une célèbre punchline du rappeur Caris, ou bien évidemment. Allez, on a juste à les enchaîner, histoire de gagner un petit peu de maîtrise, voilà. Nous en donne que deux, mais vous n'êtes pas vraiment très très généreux, messieurs. Les labos subordonnés, là, dis donc. Non mais oh, les petits frérots, donnez un peu plus de maîtrise, quand même. Faites plaisir, papa, allez. Mettez-moi bien. Oh, merci du scrap metal, c'est génial, c'est super généreux de votre part. D'ailleurs, je me souviens pas trop bien. Est-ce qu'il y a un forgeron ici en C2 ou quoi? Je sais plus trop où il est. Est-ce qu'il y en a? Même, je sais même pas s'il y en a un. Je sais où il est en C3, je sais où il est en C1. Mais en C2, on a un forgeron quelque part. Que je serais bien allé voir quand même, manoir. Bon, je pense pas qu'il y a pas de forgeron ici. Hein, il y a Trébol ici, mais il y a pas de forgeron. Forgeron dans la ville. Il y a un forgeron par là quelque part, bonjour. Oui, là, il y a un daron qui a une grosse conversation avec son gosse. Une conversation en russe en plus. C'est des malades. Ouais, non, il y a pas de forgeron en fait. Je suis bête. Voyons voir, attendez, ça fait longtemps qu'on a pas fait un petit bloc sur de gacha. Pourquoi pas en faire un? Allez, un petit fruit aléatoire, un truc cool. Oh, le fruit de Flamingo, quand même, c'est pas mal. On peut se le store. Storage full. Ah, upgrade. On peut acheter. Attendez, quoi? Ils ont fait une mise à jour. Une mise à jour où on peut avoir une place en plus. C'est fou, ça. Attendez, faites voir. Que là, du coup, je suis full en fruits. Parce que j'ai déjà le spider fruit. Et maintenant, on peut avoir une place en plus dans notre truc. Bah, je le vois pas. Ah ouais, ok, d'accord. Bah, la flemme, on va le donner à quelqu'un. On le lâche. Allez, hop là, c'est pour vous. Quiconque le veut. Il faut bien regarder, les gars. Là, vous êtes pas assez attentifs. Hop là, le spider fruit. Ah bah lui, oh, il l'a chopé, mon pote. Voilà, cadeau. Allez, hop, salut, mon pote. Moi, j'ai des maîtrises à masteriser, tout simplement. Allons voir s'il y a pas le petit boss Faritas quelque part, là, dis donc. Petit boss Faritas Fujitora. Est-ce qu'il serait pas là quelque part? Non. Et ouais, quelqu'un l'a déjà exterminé, je pense. Bah sinon, on va aller voir à Aokiji tout là-bas. Voilà ce qu'on va faire. Je pense que ça va être ça la meilleure des solutions. Est-ce que le boss à Aokiji est par là-bas? Ce serait plutôt pas mal, non? À vrai dire. Ok, voyons voir où il est. C'est où? Château hivernal. Hop là, c'est par ici. Bonjour, petite avance rapide. Hop là. Est-ce que le boss à Aokiji est parmi nous, s'il vous plaît? Ce serait vraiment génial. Il n'est pas là. Bon, ça commence à me saouler tout ça. Bon, allez, c'est ma tournée, les gars. C'est ma tournée. Petit boss de réapparition pour tout le monde. Quiconque veut affronter un boss le pourra désormais
Hop là, tous les boss sont là, c'est plutôt cool. Allez, on commence par toi, mon pote. Voilà. Allez, on va te défoncer, c'est finito pour toi, mon pote. Waouh, ça va, suffit, je suis pas une crème glacée, mon gars. Je suis pas une crème glacée, tu vas me donner des maîtrises, merci beaucoup. Et là, on a pile poil ce qu'il faut, nickel. Maîtrise 151. Voyons voir ça un petit peu, le ouragan de Donut. Ouragan de Donut, c'est attention, on prépare l'attaque, et ça nous fait quoi? Oh, 5151 quand même d'attaque. C'est plutôt vénère. C'est très très bien, même. Attendez, je suis un peu choqué. Parce que regardez, dans le classement des armes, il est juste... Il est là. Il est là. Ça veut dire que devant lui, il y a la Shisui, Sadi, Sabre, Rengoku, les trucs de NR et tout, machin, et voilà. Et sinon, en vrai, ça va, hein. On est plutôt pas mal. Ouais, mais attendez, il y a pas eu de bug. Attendez, en fait, j'aimerais bien... Parce qu'à chaque fois, là, je les prends contre un mur, du coup, je les défonce contre un mur. Mais ça ne marche pas, si ça. Attendez, on va essayer de le prendre sur toute la longueur, lui. Lui, on va essayer de le voir sur toute la longueur, jusqu'où on va le choper avec l'ouragan de Donuts. Ok, ça va, c'est plutôt stylé. Et du coup, il y a toujours le petit style du Doug, hein. Ça, c'est vraiment vénère. Mais moi, je suis extrêmement curieux. Du coup, on va aller directement en C3, parce qu'au moins là-bas, je sais où est le forgeron. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il faut pour la maxer, tout simplement. Et peut-être lui mettre un blessing. Après tout, on l'a fait pour la CDK. On peut le faire avec le trident. Alors, voyons voir le forgeron déjà. Il faut quoi pour maxer le trident, monsieur? J'espère qu'il faut pas énormément de choses un peu chiantes. Il faut des choses un peu chiantes, d'accord. Il faut des choses pas mal reloues. Ok. Et ben, on va se contenter juste de faire des trucs normaux. Ah, voilà. Vous savez quoi? On va aller directement à la terre de gâteau. On va aller stopper nos petits cookie crafters. On les connaît bien maintenant. On va se prendre le Bouddha et tout simplement, on va farmer pour avoir le tiré trident volant. Voilà. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. À tout de suite. Ok, les gars, on est arrivé à la maîtrise 299 du trident Spikey. Et là, tout de suite, les gars, on va avoir. J'étais en train quand même de farmer. Je me suis dit, au lieu de défoncer les cookie crafters, autant aller farmer en même temps tout ce qu'il nous faut pour la maxer chez le forgeron. En vrai de vrai, je me suis dit ça, et bah c'est ce qui se passe. Et là, il nous manque juste une dernière petite gouttelette mystique et on atteint la maîtrise 300 avec le trident. Parce que maintenant, les gars, attendez, regardez, on tape quand même du 3000. Bon, voilà, à 3 près, mais on va arrondir à 3000. D'ailleurs, attendez, on gagne combien de force là si on en tue un? Si on prend une maîtrise en plus, est-ce que peut-être on va taper du 3000? En vrai, ce serait plutôt cool. Allez, on a une maîtrise en plus et maintenant on tape du combien? Ah, on prend juste 1. Ok, on prend juste 1 à chaque fois. 1 de dégâts à chaque maîtrise. Ok, d'accord. Bon, on va dire qu'on tape du 3000 et maintenant, les gars, c'est venu le moment de tirer trident volant. Voilà, c'est la deuxième maîtrise et je suis très curieux de voir. Alors attendez, je vous rappelle déjà l'ouragan du Donut qui faisait ça. Et là maintenant on fait quand même du 5347 de dégâts. Et là le tiré volant trident, je sais même pas ce qu'il fait. On arme le trident et juste on jette. Ah ok, c'est une attaque à distance. Alors déjà à toi, mange mon Donut, voilà, premièrement. Et attendez, du coup c'est une attaque à distance, ce qui veut dire que c'est une attaque de groupe. On va essayer de les faire se rejoindre un petit peu, les frérots. Venez là, voilà, tout le monde veut mon trident, à ne pas sortir de son contexte. Et maintenant tirez volant trident et boum, on les explose. Mais là ça a pas trop tapé. Oh, et d'ailleurs on chope la dernière gouttelette mystique au passage, nickel. Tiens, c'est cadeau. Alors attendez, du coup elle fait combien de dégâts juste... Ok, elle fait du 4800, mais ça n'a pas marché sur l'autre tout à l'heure. Ok, une attaque à 4800 et l'autre à 5300. Franchement, c'est une bonne arme un peu cool quand même. Je suis curieux de voir, du coup, ça marche pas sur les deux là. Normalement, on devrait mettre un petit 9600 là. 9600 d'attaque et boum sur les deux. Et non, ça en touche qu'un, c'est fou. Ok, bon, c'est juste un petit peu l'inconvénient de cette arme, c'est qu'il n'y a pas d'attaque de groupe. Ah, si vous êtes encerclé par plein de NPC, ce serait plutôt pas mal. Mais là, ce n'est pas le cas, et directement, les gars, on va devoir partir en C1 pour aller chercher du scrap metal, parce qu'il m'en faut. Voilà, j'en ai besoin. C'est le forgeron même qui en a besoin, d'ailleurs, pour vous dire toute la vérité, voilà. Et je me suis trompé de mec. Je vais en C3. Oh là, je suis débile. Bonjour, je n'ai rien à faire là, je me suis trompé. Hop là, et comment il va, lui? Comment il va? Eh ben, tu m'emmènes en C1, bah oui. Ok, maintenant, faut juste que j'aille défoncer tous les pirates du village aux pirates. Voilà, histoire d'avoir pas mal de scrap metal. Il nous manque juste ça pour up le trident au max. Je rappelle qu'il nous en faut 25 hein, quand même. Hein. C'est une dure affaire, mais ça doit le faire. Ok, on est arrivé à 10 de scrap metal. Il m'en manque plus que 15. Ok, c'est bon, on est bon. On a les 25 scrap metal. Et ben, on va directement aller voir le forgeron parce qu'il y en a un qui est juste ici. Je vous avais dit, je sais où il est en C1, mais pas en C3. Il est là, le forgeron qui va m'upgrade mon trident. Merci beaucoup, on craft ça. Sa trident épineux qui va maintenant taper. Attention, regardez-moi ça. Hop là, du 3200. Et là, on est bien. Voilà, 3200 dans leur carcasse. Et maintenant, on va retourner au Tiki Outpost parce qu'il me restait des trucs de fou. Et hop là, c'est parti. Direction le Tiki Outpost. On va se mettre bien. Elle est où déjà la tour de fou furieux là? La tour du mage. Du Dragon Talon Sage qui va nous mettre bien. Normalement, attendez, il nous restait des petits trucs, je crois. Attendez, il nous restait un Mythical Scroll. Un Mythical Scroll. Et ça se trouve, on aura un Blessing avec. Hein. On sait pas, les gars. Ça se trouve, on aura la chance d'avoir
savoir le fameux blessing du Mythical Scroll. Peut-être celui du feu, ce serait fou. Je crois qu'il y en a que 3. Il y a le Storm, le Seasickness et le feu. Si on pouvait avoir un des 3, ce serait pas mal. Ou au moins un truc unique qui nous mette bien, voilà. Allez, enchante-moi ça. C'est parti, reroll. Hop là, nickel, Mythical Scroll. Mets-nous bien, frérot. C'est pour finir un peu tout ça. Let's go. L'époque du trident épineux va-t-elle prendre fin ou pas du tout? Allez, un truc fou, un truc fou, un truc unique. Un truc unique. Ouais, il y a beaucoup de trucs. Ok. Il y a énormément de trucs. Oh, ça augmente l'argent drop par les NPC de 30%. Ça aide sur pas mal de points, en vrai. Ça augmente aussi de 6% les damages aux NPC et de 4% aux joueurs. C'est vraiment vénère. Et bah franchement, c'est pas mal du tout, tout ça, là. Donc maintenant, voyons voir combien on fait de dégâts. C'est ça, la question. Combien on tape, maintenant? Voyons voir sur le frérot. On tape du 3400, ce qui est vraiment pas mal. Maintenant, l'ouragan, au final, fait 6000 de dégâts, ce qui est vraiment vénère. Et le tiré volant, 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 trident, 5500, donc là on a quand même deux attaques très très vénères. Et attendez, mais ça me... Oh là là, mais oui, je crois bien que oui. Attendez, je crois que c'est ça, j'avais pas compris un truc, mais quand on fait des dégâts, les gars, on devient extrêmement rapide. On devient extrêmement rapide quand on fait des dégâts, donc ça veut dire qu'en plein combat, regardez-moi, je suis une fusée. Les esquives que je tape et tout, c'est fou. Quand on fait des dégâts, on devient de plus en plus rapide. Ok, bon bah c'est quand même stylé. Regardez, on a un petit truc comme ça derrière nous qui nous permet d'aller super vite. Je sais pas, ça va s'estomper, voilà, ça s'estompe un petit peu. Ouais non, alors en fait, ça se trouve, c'est la pluie depuis tout à l'heure, c'est juste la pluie. Oui, c'était la pluie, c'est tout simplement la pluie, les gars. Bon bah c'est pas grave, on a quand même un trident de fou furieux avec nous, le trident Spiky. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, bien sûr. Abonnez-vous. Mettez la cloche et likez en balle. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut !